Et donc, tout le monde, c'est Freaker de la chaîne PV. On se retrouve pour l'épisode 4 du Let's Play sur Dofus, où j'espère on ira à Srub. Ça, après, c'est pas à moi de déterminer ça. Ça dépendra de s'il nous reste beaucoup de quêtes ou pas. Bon. Donc, déjà, on va continuer tranquillement cette quête. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Faut que je branche ma souris pour pas trop que vous entendiez. Voilà. Comme ça, moi, vous n'entendrez pas trop les bruits de clic. Donc là, faut retourner voir ce truc taverne. En se passant par là, ça va le faire. Donc là, au moment où je vous parle, je suis en train d'upload le Let's Play sur Wakfu. J'espère que ça va vous plaire, même si, bon, c'est que Wakfu, ça intéresse beaucoup moins que Dofus. Parce que je trouve quand même que Dofus, bah, ça avance pas mal. Il y a pas mal de vues, surtout sur le Let's Play. Et moi, franchement, ça me fait très plaisir. Donc là, bah, le but de cet épisode, c'est vraiment de tout finir sur un carnaval. Et dès qu'on aura fini ça, et bah, tout simplement, on ira sur Astrub. Et on commencera à... Attendez, je sais pas trop ce qu'on fera. Je pense qu'on commencera un peu à XP, parce que ça fait pas mal d'épisodes qu'on n'a pas XP. À se faire des kamas, tout ça. Je pense qu'on va XP, on va faire le donjon des champs, tout ça, parce que on a fait tous les succès du donjon. Putain. Oulalalalala, voilà, le donjon d'Incarnou. Voilà. D'accord. Oh putain. On a vraiment pas mal de trucs à faire, sérieux. On va pas s'ennuyer pendant le Let's Play, ça c'est sûr. Parce qu'on a tout le temps des choses à faire. Ah oui, aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à me conseiller une panneau. Moi au départ, j'étais parti sur une panneau bouffe Intel. Parce que ça nous donnera de la vita et voilà. Et après, quand on sera plus high level, je comptais prendre une panneau boîte de feu parce que ça rajoute un PM et qu'on a de la résistance au feu avec. Mais bon, pour ça, déjà, il va falloir bien upler le métier. Mais avec l'astuce Kama qu'on va faire, je pense que ça va aller assez vite. Après, là, voilà, c'est ça qu'on fera. À la fin de l'épisode, on vendra notre truc là pour se faire au moins 30 000 Kama. Parce que c'est... on va dire le minimum pour l'astuce. Après, je sais pas ce que ça fait vraiment sur ce serveur. On verra bien. Donc là, il faut aller voir Master Donge. Merde, non, c'est toi. Je pensais que c'était ton pote. Alors, oh non, faut se refight contre le... Oh, bon, déjà on continue d'avoir de la panne. Est-ce qu'on peut se le faire le melee là? Je sais pas. Ah si, on a une clé. Parfait. Faut fumer le melee. Eh ben, on y va tout de suite, hein. Ça va être vraiment facile. En ce moment, on va pouvoir tester un peu notre Ox. On le fait tout seul, hein. Donc s'il y en a qui veulent le faire, bah non, moi je suis pas d'accord. Allez, go. On va juste bloquer l'accès au combat, activer le mode tactique. Et là, on va s'amuser. On s'en fout des tchals. Attendez. Est-ce qu'on l'a fait, ce chal? Ouais, non, si on l'a fait, donc on est à 150 succès. Mais what the fuck, sérieux?
Ouais, bon, là par contre, on va se lancer une petite barricade. Ah, donc là, on a 4 PM. D'accord. Ok. Ah, bon, là. Ah ouais, ça fait du bien, ça, par contre. 4 PM. Voilà. Allez, hop, c'est fait. Je pense pas. En plus, je pense même pas qu'on va up de level. Ah si, peut-être. Peut-être à la dernière salle, on va peut-être up de level. Parce que je le rappelle, on est en XP x1. Même si au début du let's play, je pensais qu'on était en XP x4. Mais bon, maintenant que je me rends compte, je me dis quand même que c'est pas mal. Pourquoi tu rejoins le combat en mode spectateur, toi? Ah, si tu veux, hein, j'ai envie de te dire, allez. Je sais pas trop c'est quoi tes intérêts. Mais bon. Voilà, maintenant on attend que lui se rapproche. Parfait. T'as fait l'idiot. Normalement là je te touche. Voilà. Et t'es mort. On a reçu un tchal sans faire exprès. Toi, le chat il était vraiment facile, juste. Vous voyez quand même que level 25 faire le donjon d'Incarnam, c'est plus que de la rigolade. Hein. On s'en fout totalement des chats. Ça c'est fait. Ok, donc toi je vais te. Vas-y, rapproche-toi. Je m'en fous, je vais au cac. De toute façon, je les fume. Elle est quasi. Non, pas encore one shot, hein, mais je pense qu'avec une bonne panneau, ça fera du one shot. Hein. Je pense. Ouais, quand on aura une panneau bouffe, mais là, c'est. Va falloir qu'on revende tous nos autres chauffeurs. Alors, voilà, quoi, on va faire un petit tour à l'hôtel de vente des ressources. Sachant qu'en plus, la statue Fécane est vraiment pas loin. Parfait! Une peau de larve orange, ça se vend vraiment bien. Ok, on va le laisser approcher de nous. Hein. Allez. Ah, ok. Alors, on va pas faire les couillons. Tac. Et maintenant, on avance. Vas-y, normalement, là, tu nous touches. Voilà. You mad, hein, you mad. You mad, bro. Oh yeah, you mad. Bon, j'ai même pas besoin de reculer, hein, je le défonce normal. Allez. Ah, tu m'enlèves du 24, petit noob. Ah là là, qu'est-ce que c'est drôle de massacrer du Milimilou. C'est vraiment simple. Et après, quand on aura fini ça, on aura une nouvelle partie de la panneau. Et ça, c'est cool. Ok, donc toi, t'es mort. Et toi, t'es presque mort. Le sanglier n'arrive à me repousser par là. Voilà. Il m'enlève que du 42. Je m'attendais à plus. Oh, même si j'ai pas beaucoup de PV, vous savez, moi, je m'en fous un peu. Hein. J'ai pas. C'est pas le sanglier qui me fait peur, franchement. La larve encore moins, donc bon. Je stresse pas, ça sert à rien. Parce que je sais que il n'y a pas beaucoup de chances pour que je perde. Voilà, c'est bon, c'est fait. On n'a même pas up de level, mais si je pense en lui parlant. Ah si, parfait. Ah bah on a gagné 560 km. C'est pas mal du tout. Ça donne quand même du bonus. On va regarder. L'équipement donne 15 partout. Oh là là, on a plein de trucs à vendre. Ça se vend cher, je le sais. Oui, 1400, c'est pota pour le début. 6300. Ouh. Les amis, on va se faire plaisir. Hein. Ah, ça fait moche. Hein. Mais bon. Là, on a tout. Il nous manque que l'amulette. Normalement, juste on va voir ce que ça nous a donné d'autre. Ça donne 20, ouais. Donc là, ça donne 20 partout.
Ok, nouvelle quête. Un troc à poil. Au poil, ok. Allez voir un tabroc. Ok. Bon. Ah oui, aussi, si vous voulez que je rentre dans une guilde, hein, faudra me le dire. De toute façon, je pense que dans pas longtemps, je vais m'abonner avec ce compte. Parce que, bon, je vais vous le dire, c'est bientôt mon anniversaire. Dans exactement 2 jours. À un moment où je vous parle, donc. Quand je sortirai la vidéo, bah, je la sortirai sûrement le jour de mon anniversaire. Ou le jour de mon anniversaire, ou un jour avant. Voilà. Parlez. D'accord. J'ai rien compris du tout. Alors, marché inéquitable. Oh là 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 là. C'est pour avoir la... Ah, ça pour avoir l'amulette. Donc, faut faire tout ça. Bon, on va aller tout acheter. Allez, go. Hop là. Ah, on n'est pas trop trop stylé avec notre panneau là. Je veux pas dire, mais bon. On a quand... Ah, ça va, on a quand même 201 PV. On a dépassé les 200 PV. En fait, c'est ça le gros problème du Fekka, c'est qu'il n'a pas énormément de PV, donc avec une panneau bouffe, il sera sur cheat. Enfin, panneau bouffe, hein, voilà quoi, c'est pas exceptionnel non plus. Mais pour bas level, c'est potable. Comme je l'ai dit, après, l'objectif sera une panneau boîte de feu. Je suis sûr que même tous ceux qui sont à Astrub, je suis sûr que même certains qui sont level 200, je suis sûr qu'ils n'ont même pas fait toutes les quêtes d'incarnat. Je sais pas pourquoi, j'en suis sûr. Parce que même moi, quand je suis monté, je suis level 140, je l'ai pas fait. Et j'en ai déjà monté un seul level 199, mais pas level 200. Parce que dès qu'il était level 199, je me suis arrêté. Je sais pas pourquoi. Ok, donc là, faut aller acheter du blé. 10 de blé. Acheter. Alors, attendez 2 secondes, je reviens. Je fais pas d'ellipse. Alors, ok, 10, 110, acheter, oui, blé, ensuite, blé, ça c'est fait, 5 fleurs de lin, on va aller les, pire on les achète, je sais pas, que j'avoue que j'ai un peu la flemme d'aller. Non, si on va aller les... Ah non, quand même, on va pas... On va aller les cueillir. 10 bois de frêne et un goujon. Ok, bah go. Raymond Santo. Ah là 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 là. Ah, c'est cool ça. Après cette quête, on aura toute la panneau. On aura panneau complète et je pense en plus qu'on va réussir un succès. Je pense qu'il y a un succès quand on réussit toute la quête d'incarnat. Pas exagéré quand même parce que si... j'espère au moins que ça va nous donner une bonne masse d'XP. Acheter un goujon s'il vous plaît. Un goujon. 300 kama. Et 10 bois de frêne. Allez, go, 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 go. Ok.
Ok, donc on est bientôt à 15 minutes de vidéo, on a quasiment fini notre objectif. Hein. Donc à la fin de l'épisode, juste on ira à l'hôtel de vendre des ressources pour se faire une petite base de Kama là, pour se prendre pas une panne aventurier, une panne au bouffe direct. Hein. On va vendre à peu près toutes les ressources qu'on a, enfin toutes celles qui se vendent bien. Et il y en a pas mal qui se vendent bien, surtout les trucs de chauffeur, ça se vend vraiment vraiment bien. Tac, acheter. Voilà. Ça a coûté des camas, comme vous le voyez. En tout, ça fait... Mmh, 1210 camas environ. Bon, on va arrondir à 1200 camas. Mais ça vaut le coup. Allez, go. Maintenant, on retourne la voir. Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Pouf. Je pense normalement, ça a été rangé dans les objets de quête. Ok, allez, go. La panneau bloc est vraiment pas mal juste pour débuter. Hein. Pour débuter, ça donne un certain bonus de partout. Donc, c'est vraiment pas mal. Après, forcément, la panneau... bouffe tout, on va essayer de prendre le meilleur jet intel et vita possible. Après initiative peut-être, mais pour moi franchement le plus important c'est intel et vita, parce que pour le moment on va pas trop se le faire pvp, quoique si on tape du pio initiative ça peut être intéressant, parce qu'il y a, souvent un pio qui tape avant nous, c'est quasiment obligatoire. Même avec mon Osa qui est level 38 que je viens de créer. Ouais, je... Ah oui, et au fait, pour ceux qui demandent pourquoi mon personnage principal, c'est-à-dire Freaker, n'augmente pas le level. Tout simplement parce que avec Kirito, mon cousin, on s'est dit que on allait tout le temps XP ensemble. Donc pour ça, j'évite d'XP sans lui. Même s'il peut pas beaucoup se connecter, je veux quand même pas trahir ça. Voilà. Là normalement échanger, alors tac plus on a les fleurs de lin, on en a pas. Oh là là, zut. On va chercher les fleurs de lin. Moi, bon, parce que bon, je veux pas les acheter non plus. Hein. Au début, c'est ce que je voulais faire, mais faut pas déconner non plus. Bientôt 20 minutes de vidéo, c'est cool ça. Pour une fois qu'on est dans les temps, et au moins ça rattrape le fail de l'épisode d'avant qui a duré 1h40. Donc 40 minutes d'énormes fail. Bon, si vous voulez en savoir plus, regardez l'épisode. Hein. Je mettrai peut-être le lien dans la description. Ou non, tout simplement, vous allez juste aller sur ma chaîne. Boss Eragon. Ouais. Ouais, bon. Bon, alors je pense qu'avec avec ce personnage, on va essayer de se faire trois panneaux. Une panneau pods. Une panneau Vita Intel. C'est-à-dire panneau bouffe et une panneau XP. Parce qu'une fois qu'on tapera super fort, on n'aura pas forcément besoin d'une panneau bouffe tout le temps. Et une panneau prospic pour XP, c'est pas mal. Même si, bon, pour débuter, c'est pas mal aussi. Deux panneaux. Une panneau aventurier comme elle-là. Par contre, sur un sacré, c'est pas vraiment intéressant. Bon, bref, c'est des. Ça dépend comment elle le joue. Enfin non, si c'est même, y a même pas de ça dépend, c'est pas fait pour jouer avec. Bref. Ok, donc il nous en faut 5. Pour juste couper les 3, ce sera suffisant. Vas-y, on va couper plus. Hein. Voilà. Donc aussi surtout, n'hésitez pas à me dire pour le laisser sur Wakfu si ça vous intéresse ou pas. Parce que moi, franchement. Enfin, pour ceux qui connaissent Wakfu, je sais pas si ça va vous intéresser parce que je ne connais pas du tout le jeu, donc je suis un peu noob, on peut le dire. C'est comme si je venais de commencer Dofus, sauf que là je suis sur Wakfu.
Non, c'est bon, on a les 5 ans, la flemme de tout couper. On va essayer maintenant de respecter le temps des épisodes. Le prochain épisode, ça va être... Enfin, les prochains épisodes, je pense jusqu'à l'épisode 10, ça va être XP et Kama. Tout simplement, on fera quasiment que ça. Se faire de l'XP et des Kama. Bah, de toute façon, on va aussi XP grâce au succès avec notre métier. Il y a des succès avec le métier, c'est aussi pas mal. Ça rapporte pas mal d'XP. Pouf. Maintenant, à chaque fois que je vois une rose démoniaque, j'ai la haine. Donc, bref, de toute façon, si vous avez vu l'épisode d'1h40, c'est-à-dire l'épisode 3, vous comprenez ce que je veux dire. Oh là là, mais ça va quand même, on est stylé. Au début, je trouvais ça faisait bizarre la panneau là, mais là maintenant je trouve ça va, c'est pas trop dégueu. Ok, donc toi t'as une partie de la panneau, mais t'as pas le bouclier d'un cardam. T'es un peu bizarre comme gars, toi. Je vois même pas si t'as la cape, bref. T'as le bouclier d'incarnable, c'est ce qu'on a eu en premier parce que c'est le truc le plus facile, c'est la quête principale qui est vraiment vraiment très simple. Il y a juste quelques parties un peu longues, mais par rapport aux quêtes secondaires, c'est rien du tout. Donc quand on a le courage de faire plein de quêtes secondaires, on devrait avoir le courage de juste faire la quête principale. Bon, bref, après peut-être qu'il l'a mais qu'il s'en est pas rendu compte. Franchement, je trouve que ce bouclier est super stylé. Alors, échanger. Sachez qu'elle nous donne un arc. Quand on fait ça, petit arc de boisaille. Non, ça sert vraiment à rien. On va lui donner Wilblé. J'en ai acheté, non? Ah oui, si c'est ça. 10 de blé. 5 de fleurs de lin et on a une queue du mini milo. Normalement il faut les poils ou la queue. Bon, désolé si vous entendez du bruit derrière moi. Oh là 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 là, on va regarder encore une fois la quête hein. J'espère vraiment que vous entendez pas trop parce que moi ça me casse un peu les oreilles. Bon, attendez, je vais faire une ellipse, je vous reprends tout de suite. Et donc les gens, donc voilà, donc j'ai fini la quête hein. On a eu ça, voilà, c'était le résultat de la quête. Donc c'était simple, juste parler à la dame et voilà. Donc là on a toute la panneau bloc et normalement si je me trompe pas on a fini toutes les quêtes. Oui, voilà. Maintenant, go Astrub et go hôtel de vente des ressources. Ah, je suis content. Enfin, on a fini toutes ces quêtes. Et on a une panneau bloc qui nous donne en tout 25 pour 25 de chaque, sauf en vitalité. Pff, alors que c'est franchement le truc qui m'intéresse presque le plus. Parce que on a vraiment pas de vitalité là. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand je dis on n'a pas de vitalité, c'est je rigole pas. Zéro. Voilà. Mais bon, je préfère quand même qu'il rox le maximum, sachant qu'il a les trucs pour se protéger, tout ça, mais la vitalité, c'est quand même pas mal important. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est en panneau bouffe royal, qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, c'était peut-être une mouton tour royal, bon, bref, je sais pas. J'ai pas trop fait attention. Avec une dragon d'Inde, bon, bref. Mais, vous êtes donné le mot, hein. Par contre la Astrub, on va croiser tellement de gens super cheat et surtout on va se faire défier tout le temps. Enfin je sais pas ce qui se passe en ce moment, tout le monde défie tout le monde. C'est un peu n'importe quoi. Bon allez go, t'as le devant des ressources. Go go. Ok, vas-y amuse-toi bien toi. Alors vendre. On va pouvoir se faire pas mal de kamas. Donc là, on a 4086 kamas pour le moment. Plus
plume de tofu, ça se vend combien? Ça se vend. Les 10 800, bon on va mettre 799. Oui, donc voilà, donc ça c'est aussi une petite astuce. Quand vous mettez le truc, comment toujours mettre un kama moins cher, parce que ça se vendra plus rapidement. Ok, ensuite ça se vend, mais on n'en a pas assez. Faut au moins avoir 10 d'un truc pour que ça se vende assez bien. Voilà, du lin. Ouais, mais non, ça on peut pas. On le revendra plus tard. Cœur de bouffeton noir, ça se vend vraiment pas mal. On va mettre ça en vente. Même si je sais que ça pourra servir pour si on veut faire un petit tailleur, un truc comme ça. Mais bon, pas pour le moment. Pas de darakné, on va le garder parce que ça servira pour l'astuce. Ok, donc il y a un avion qui passe derrière moi. Parfait. Continue de me troller, allez-y. Cœur de bouffeton blanc. Ouf! Ça se vend. Ouf, ça se vend cher sur ce serveur. Je me demande si je veux pas changer de chat de serveur. Parce que là, tout se vend pas mal. Hein. Ça, c'est toutes nos heures de femmes qui auront servi. Enfin, nos heures, parce que oui, là, on est. En comptabilisant toute la vidéo, on a fait pas mal d'heures. Ouh. Et là, déjà on peut se faire 14 000 kamas. Enfin, on se les fera, hein, c'est quasiment sûr. Et c'est pas fini, on n'a pas encore. Pour ça, on doit le garder. Mais regardez combien ça se vend, ça. Attendez. Je vais regarder un truc pour faire notre astuce. Parce que là, je suis en train d'hésiter un peu. Parce que peut-être on fera un autre métier. Si je sais pas trop, on va regarder si notre astuce est rentable. Ah, les chronos chauffeurs, ça se vend bien, mais on en a pas assez malheureusement. Il faudrait qu'on bute encore un chauffeur et qu'il nous loot. On n'a pas que ça à faire. Bon, alors déjà là, on a mis tout notre truc en vente, donc je pense que dans le prochain épisode, tout sera vendu, enfin quasiment tout. Allez. Allez, go. Acheter. Voilà, donc l'astuce, ça va être de faire ça. Toucher magique sombre. 50 000 sur ce serveur. Ah ouais, quand même. D'accord, donc ici, ça se vend 50 000. Et il nous faut des pattes d'arachne et des ailes de mosquito. Mais apparemment, les ailes de mosquito, c'est cher. Acheter, vendre. Acheter. Elle. Par 100, ça se vend. D'accord. C'est une blague. D'accord, donc sur ce serveur, tout est inversé. D'accord, donc déjà, on va en acheter. Voilà, déjà. Ensuite, oula. Calmez-vous. On va faire le métier de forgeron, je pense. Forgeur d'épée et forgeur de dague. Qu'on va aller apprendre tout de suite. Juste. On va juste aller quand même sans craft, vu comment ça se vend. Ça nous fera 18 000 kamas supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Ah ouais, faut vraiment que je revoie mes astuces kamas moi sur ce serveur. Faut que je m'habitue un peu. Donc il me faudra une nouvelle astuce kamas pour le métier de d'alchimiste. Hein, on verra. Donc, on va te préparer une potion. Les recettes possibles. Ça. 2. On est craft. Ah bah. On a déjà vendu des autres chauffeurs et ça se vend
Ah ouais, d'accord, donc on a vendu tous nos autres chauffeurs déjà. Et des... Et ça, c'est quoi? Et les plumes de tofu. D'accord. Je m'attendais pas à ce que ça se vende aussi vite. Ok, donc on est à 30 minutes de vidéo, donc on va bientôt s'arrêter. Juste, on va... De toute façon, nos deux trucs sont là et là, donc c'est vraiment pas loin. On va aller mettre nos trucs en vente. Allez, hop. Ça se vend super vite sur ce serveur. Vous voyez, juste en mettant un qu'un mois de moins, ça se vend vraiment super bien. Donc, vendre. Vendre, vendre, vendre. Waouh. Solo, ça se vend super cher. Donc une tac-tac. Voilà. Il y a une taxe de mise en vente quand même de 180 km. Oula. Bec du tofu. Parfait. On vend, on vend, on vend. Voilà. Maintenant, on va aller apprendre les deux métiers qui nous aideront. Après, on les arrêtera une fois qu'on aura 200 000, 300 000 km. C'est ceux qui nous serviront à acheter nos trois premières panneaux. Après, forcément. Une fois que je serai abonné, on verra pour faire de la forge Marie, de la forge magie, mais c'est pas tout de suite. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais moi? Hack. DP. Et des forgeurs de dagues. Fermer ce dialogue. Acheter. On va acheter le métier, le marteau. Et celui-là aussi. Parfait. Juste. Ok. Bon, voilà, juste on va voir combien ça se vend. Épée de bois. Attendez, attendez, attendez. Vous allez pas me dire qu'on peut pas le faire. Non, 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 non. Il y en a vraiment un peu grave des épées de bonsaï. J'aurais dû me renseigner avant d'apprendre les métiers, je pense. Mais c'est pas normal, des épées de bonsaï, c'est le truc de base. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Sans ça, bah si on peut. Par contre, ça se vend pas si cher que ça. Je commence à avoir peur parce que là je suis en train de me dire qu'on a sûrement appris le métier pour rien. Oh ouais, non, si on va faire dague de boisaille, on va faire des dagues. Donc on ira oublier le métier de forgeur d'épée dans le prochain épisode. Donc moi je vais vous dire à la prochaine pour l'épisode 5 et moi je vous dis.